Bonjour, c'est Gadu, bienvenue sur Gadu Gaming pour l'épisode 5 du Let's Play de GTA Le Contrat. GTA Online, évidemment. Le Contrat en compagnie de Rick et Farah. Et coucou. 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 Alors, pendant que nous, on est debout en train de poireauter, il y a Rick qui est vautré dans son fauteuil, tranquille. Ouais, mais je suis pas sûr que tu sois vraiment bien assis dans ce genre de truc. Bah, c'est pas que t'es assis, c'est que t'es vautré, c'est pas pareil, j'ai pas dit C'est assis. ça. Bah, tu t'as... Moi, j'aime bien être vautré, moi. Ouais, mais bon, à l'ordinateur, c'est pas top. Bah, ça dépend, si tu regardes un film, ça passe. Ouais, voilà. Donc, du coup, on Les attend accoudoirs quoi? sont trop bas. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Bah, là, c'est pour dormir, ce truc-là. Ça, c'est le fauteuil de T'es fraise, là, t'as. avachi dans le fauteuil, ouais, non, non. Alors. Tu fais pas des sessions, des longues sessions à l'ordinateur avec ça. Non, c'est sûr, mais nous, on est là pour autre chose, à la base, il me semble. Il me semble que la dernière fois, il y avait une histoire de course-poursuite avec de la drogue et tout ça, là, ça vous parle, ça? C'est ça, les ballasses. Ok, et aujourd'hui, on a quoi à faire? Ben à la suite des ballasses. Eh bien, dans ce cas-là, allons-y alors. Ah, allez. Re Oh putain, t'as encore regardé mon mot de Ouais, passe. j'ai tout vu là. Je t'ai vu appuyer sur rentrer, en plus, t'as bien arraché le clavier. Hein. Oh là 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 là. Alors, on continue. Les ballasses. Et bah direct en fait. Ok. Bah, c'est parti. Ah, faut quitter l'agence. Ok, d'accord. On prend la Rolls pour Enquête, changer. les ballasses. Ouais, bien sûr, vas-y, on prend ce que tu veux. Je cours plus vite que toi. Le dernier arrivé en bas est une nouille. Hein, Farah? Suis parti au garage, c'est ça que tu voulais faire. Ok. Parce que au garage, j'ai vu des belles voitures. Qui étaient pas à toi, mais j'ai vu des belles voitures. Oula, il y a Farah qui vient de se vautrer de sa chaise. Allô? Mais non, t'inquiète D'accord. pas. J'entendais un grand bruit. Il a voulu monter dans mon fauteuil. Ah oui, Dans mon j'ai peur. fauteuil top moumoute méga cool. C'est qui la moto verte là? Je préfère la voiture qui est là-bas, la voiture noire là, elle a l'air super sympa. Allez. Farah est pas là, mais laisse-le, il va courir. Que je ramène des voitures, j'ai un garage. Un grand gars, j'ai deux sous-sols en dessous. Ouais, je sais, j'ai été voir en vidéo effectivement. C'est hallucinant. Par contre, les Et motos j'ai qu'il y a un dedans, truc de tuning là. c'est pas à toi les motos et tout ça, si? Non, 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 Ouais, c'est ça ça. change tout le temps, c'est les employés certainement. D'accord. La toute première fois que je suis descendu, il y avait la nouvelle. La nouvelle Buffalo. Donc qui D'accord. certainement appartient à Buffalo Blanche, Le à Buffalo Franklin. Bill. Merci, Farah. Du coup, Eh, pas rien. on t'attend T'es où, ou Farah? t'es déjà sorti? Allez-y, mais sortez, mais moi je vous Voilà, attends, moi. Il a d'accord. dit le premier en bas, j'étais le premier en bas, c'est tout. Et ben on est là. Y'a Frangin qui appelle. Il m'a piqué ma voiture. Ah, ok, merci pour le rollback. Alors, Rick, t'as pas vu, mais moi j'ai vu que tu t'es pris un arbre, t'as hésité tout droit. Ah non, j'ai Puis, rien touché. ouais, et puis TP, mais en fait, alors soit t'as des problèmes de connexion, soit c'est GTA en fait qui déconne. Hein, parce que moi, de mon côté, en tout cas, ça me déconne pas, c'est sûr. En plus, on s'entend bien sur Il y a beaucoup TS. de monde sur le serveur. Je pense que c'est pour ça. Là, ça passe. Là, tu vois, je te suis bien, là, y'a pas de soucis, mais c'est. C'était là. C'est Little Seoul, moi j'allais au quartier. Okay. Ah bah, tu suis le trait blanc. Le trait jaune, pardon. Le trait blanc. Ouais. Non, mais j'allais chez les Ballas. Mais non, suis ce qu'il dit. Ça, les palaces, c'est le titre de l'enquête, mais. Oui, mais c'est un gang. Bah oui. Bon, t'es en face. Ils sont dans. Comment ça s'appelle? Dans. L'eau, ce machin là. Allez, go. San Andreas. Oh, on y va. Ma voiture! Oh! Ça coûte cher ces engins, tu rigoles, mais. Là, on y va. Alors, je propose qu'on sorte les mitraillettes. A real baller OG. Go back as far as I do with DNF. We're gonna need to talk to him. A lot.
You got a problem with killing a whole bunch of his dudes? Nothing you can't handle, right? Ça glisse. Ça glisse, ouais. Voilà, on doit aller retrouver Pi. Ça tombe bien, on a J. Ah, mais ça glisse sur cette route, c'est ça, c'est grave ça. On a J et M. Moi je trouvais qu'elle tenait bien la route. Non, c'est K, c'est J et K normalement. C'est K et Junior. Bah, c'est ça aussi de foutre un moteur de 500 chevaux avec des roues de vélo sur un véhicule. C'est bizarre qu'il y ait personne sur la route comme ça, que ce soit aussi simple que ça. Si, il y avait une voiture. Non, non, mais qu'il n'y ait pas de danger, qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas d'ennemis, tu vois. Bah non, parce qu'ils sont pas censés. Oui, là effectivement, on n'est pas censé savoir, mais il y a des fois. Ils sont tous là, là. On roule dessus, roule dessus. Désinguer tous les violets. Ah, tous les violets. Ah oui, c'est et là il y en a qui me sort là. Oh 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 oh. Tiens toi, je vais te voir la main. Je vais avoir la main. Oh, Farah m'a, Farah m'a fusillé. Farah, c'est un violet. Pour... C'est... Mais pourquoi t'es passé devant? Bah pourquoi t'as tiré si je suis passé devant? Merci Farah. Bon, au final j'ai tué personne parce que c'est le bordel en fait derrière. Enfin, je vous dis clairement c'est le bordel, mais je suis là. Je suis à nouveau là. Alors je sais pas si je tue les bons, mais en tout cas ils sont en rouge. Alors je dis, Alors là j'en tue plein. Derrière nous. Ouais, vous êtes là-bas tous les deux. Je tire sur qui là? Sur vous là. Attends, je m'en tue plein, hein, je suis derrière vous. Mais je sais pas si je suis les bons, putain. Il y a qui me tire dessus. Ah, les violets c'est les balas, c'est les verts, c'est les families. Bah de toute façon c'est simple, si tu peux pas tirer dessus c'est que je suppose que... Franklin c'était du quartier des familles. Moi je veux pas, je vois que ça allume. Alors je sais pas, j'en ai tué combien, mais là j'avoue que j'ai fait un massacre là. Je sais pas comment rembourser mes balles parce que là je peux avec le bon je suis là. Pourquoi tout le monde suit là? Il y en a qui essaie de fuir encore. Ok, il y en a un qui a sorti une lance-roquette là où c'est moi là. Un peu, légèrement, mais très très léger. Putain, mais t'as vu le bordel qu'il y a là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, on me tire dessus ou c'est moi là? Je crois qu'il y en a plus. Alors en même temps, avec tout ce qu'on a tout ce qu'on a tiré, j'imagine bien qu'il y en a plus. Alors on fait quoi? On se casse avec une voiture violette? Suivez Vernon. Et de l'autre côté, Vernon. Ouais, faut qu'on passe par derrière. Ah non, Vernon, il est là-bas. Y'a pas un véhicule à prendre? Non, je pense qu'il faut partir à pied là. Ah bon? Tu penses? Je sais pas. Je suis parti à pied. Ouais, j'arrive, je suis là. Bah, ils arriveront pas à nous suivre. Ouais, mais là je prends des balles en attendant. Il y a Farah qui est parti derrière. Hein. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ce bruit là? Je suis là, Farah, je suis là, je pars. Hein. Ok, et donc qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Ok, il est là, Vernon. Moi je suis Rick, alors c'est pas Farah, c'est Rick en fait. Yo, Vernon. T'es sûr que c'est Vernon? C'est lui? Bah ouais, petit point bleu. Ouais, bah là, il a pas l'air très intelligent, hein, si je peux me permettre. Hein. Et si tu le tapes, ouais, forcément. Là, je tape pas, j'ai rien fait, là. Check it out. He bleed. Tu vois quelqu'un, toi? Non. Bah, alors, moi, je vois rien, mais ils sont censés avoir un corps, j'imagine. Oui, une tâche. Bah, on a un problème. Voilà. Là, on a il suit les traces de sang. Ah, tu penses? Farah, reviens. Il y a les flics derrière, qui le suivent, regarde. J'ai tué un flic, j'ai tué le flic. Garage. Il n'y a plus de flic. Non. Il va. Bon, là il y a eu du kill hein, quand même, hein. Je sais pas ce, ouais, ce qu'en pensent les viewers, mais vu le nombre de personnes que j'ai tuées, là il y avait un tas.
Don't act stupider than you is. I'm talking about Dre, the phone. Yeah, we heard about that shit. Wait, y'all think we got? Bernie, dog, look at me. That ain't got nothing to do with us. We got nothing but respect for the homie Dre. Give me something, P. Fast. Look, I heard there's something going on over in the projects. Vargo's running their mouth about Dre playing some joints no one's heard. Self-snitching motherfuckers. That's what I know. You better hope you're right. Okay, y'all, we're done. Ah non, va chez Vagos. I'll be in touch with Franklin when we good to move. Ah, c'est tout? Ok. Et bien, c'est parti. On a quitté la zone. Hop là. On sait pas. On s'est jamais vu. Non, on se sépare certainement pas. Bah, déjà, là on a plus d'étoiles. Là, je sais pas pour vous, mais moi j'ai plus d'étoiles. Donc, on a juste effectivement à sortir. Ouais, les Vagos, ils sont juste là. Mais je sais pas qu'il y avait encore des guerres de territoire. Je me semblais que c'était que Los Santos. Mais pas Los Santos, mais. Et les flics sont encore sur ma gueule, hein. Ouais, bah moi j'ai rien. Hein. Que quoi? Les flics sont, sur ma gueule. Les guerres de territoire, tu disais. Là. Ouais, j'ai vu ça que dans GTA 3, là. Comment ça s'appelle là. C'est où tu devais prendre des territoires sur la carte, là. Tu tuais T'as San Andreas aussi, mais t'es dans le quartier de San Andreas. GTA, ouais, San Andreas. C'est ça. Et les Vagos, c'est les mêmes rues, hein, c'est le même quartier. Ouais, non, mais j'entends bien. Les Vagos, les Balas, c'est les Familis. Les Verts, c'est les Familis. Les Vagos sont jaunes et les Balas sont bien. C'est là-bas que c'est les Familis, mais bon, c'est pas grave. Je te suis au passage parce que je sais pas si. Voilà, c'est bon, nickel. Vous avez trouvé une piste. Une piste maintenant aux Vagos, mission réussie. Et ben voilà, c'est parfait. Du coup, il faut qu'on revienne encore. À l'agence, il faut encore qu'on attende qu'il y ait la fille qui nous rappelle, ou Franklin qui nous rappelle, enfin bref, quelqu'un, et puis on se reprend bah, dès qu'on est à nouveau ready. À l'ellipse. Et voilà, on est à nouveau chez Rick en train d'attendre la suite. Ouais, dans sa fuite à South Central. Oula, tu spoil énormément. Ben non, c'est le nom de la mission. Ben vas-y, balance. Je suis en train. Ah, effectivement, là, j'ai reçu quelque chose. Il y a une invite, là, mais vraiment, pour ça, il faut qu'on se lève, Farah. Là. Et qu'on aille voir dans nos invites de liste d'activités. Et c'est celle-là. Voilà. Et là, c'est parti. Bon, tu vois, c'est moins... Je trouve ça moins passionnant que les autres. J'ai l'impression que là, c'est des petites missions, tu sais, bidon. Ouais, c'est ça. Bon, il n'y a plus de cinématiques, tu vois. Je suis très déçu. Un petit peu des retours aux sources, quoi. On fait des guerres de gang. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et bah c'est parti, donc ça fuite à South Central. Quelqu'un diffuse les sons de Dr. Dre dans les rues. On allait s'occuper de ces pirates. Ah ah. Est-ce qu'il regarderait la vidéo du grand Gadu? Peut-être. Peut-être ça en fait la musique qu'ils entendent. Musique du grand Gadu. Non, la vidéo. Et dans la vidéo, il y a la musique du Dr. Dre. Non. C'est pas clair ce que je viens de dire. Non, j'ai pas compris. La vidéo que je suis en train de faire, on entend la musique du Dr. Dre. Donc je dis qu'il repasse la vidéo de Gadu et on entend la musique du Dr. Dre. C'est ça. C'est ça en fait. Mmh. Et ben c'est parti. Alors je sais pas à qui sont toutes ces voitures. Hein. Moi je prends la mienne. Que j'ai envie de ranger d'ailleurs au passage parce que je vais dire on a une conférence. C'est bon, c'est parti. Je vous laisse lire les viewers parce que c'est pas possible. Hein. T'as pas eu un ralentissement là ? Si si. Farah il a bousillé la bagnole. On les suit. Ah bon ?
Former un convoi en suivant les véhicules des familles et les balades jusqu'au HLM dans le... Eh, on a dit de les suivre probablement discrètement, non? Non, on fait un convoi. Et on entend bien la musique, c'est bien fait, hein, t'as vu, on a vraiment l'impression que c'est sur des baffles extérieurs. Mmh. Tranquille. Les mecs, tranquille, on va dire. Ah ouais, quand même. Ah, ils sont bien quand même, ils sont bien. Mais là, je pense que ça fait de la pub pour Dr. Dre, après ça, c'est des pures, là. Là, c'est la fiesta. Alors, on tire sur qui? Dans les jaunes. Ok. On prenait ça. Fallait pas faire ça. Bah non. Putain, il fallait pas tuer la bagnole. Mais je vous ai dit. Bah non, faut récupérer la voiture. Putain, elle a explosé avec. Sans déconner, vous pouvez pas tirer. Bon, c'est de ma faute. C'est pas, on va la refaire. On aura le plaisir. Maintenant, on saura comment il faut faire. Ça paraissait évident. Tais-toi. Ça, je m'en fous, je couperai la vidéo. Bon, relancement rapide, on fait quoi là? Il y a dû une victime, la voiture. J'ai un débutant. Bah non, il y en a qui a explosé avec, c'est là, il a giclé. Une padawan. Bon, je suppose qu'on doit être à côté, de toute façon, Pierre. Donc la voiture jaune, on touche pas? La voiture, oui, la voiture jaune. Voilà. Tu tires tous ceux qui sont habillés en jaune, mais tu tires pas. Tu tires pas sur la voiture jaune. Bien, hein. Elle est fermée la bagnole, on peut pas monter ça. Bah, je propose une petite grenade alors. Attends. Oh, il reste un mec à buter. Je viens de dire qu'elle était bloquée. Deux, il y en a deux. Ah putain, okay. ils arrivent. Oh, il y a le chef qui sort. Course poursuite. C'est ça. Parti! Bah tiens, prends la première bagnole qui vient, ouais. Trop tard. Équipe de passe! Équipe de passe! Vas-y, mais roule! Rick, il va en trouver une autre, t'inquiète, il va en trouver une autre. Je sais qu'il y en a plein des low riders comme ça. Je l'allume ou pas alors, qu'est-ce que je fais? Attends, voler le low rider, récupérer la. Faut voler! Faut pas le tuer, faut voler! Enfin, faut pas le démolir. Je sais pas, tu peux buter le gars, mais faut voilà, détruire la voiture. Faut buter que le mec, quoi. Je l'ai eu, il est mort, stop, arrêtez, il est mort. What? On nous tire dessus, quelqu'un me tire dessus. Ah, j'ai bien tué sur la mitraillette, elle est mini connue. Ok, Vagos, ah bah, il n'y a plus de musique d'ailleurs au passage. On est bien là, c'est une Cypress Flats. On est bien, on est au ras du sol, tu sais. Il y a une bosse où on touche le sol. C'est obligé. Oh putain, c'est là, pas c'est... une voiture volante ça. Ça sentait le sapin. Oh là, il y a un poteau qui nous rattrape. J'ai vu qu'on allait passer par dessus le poteau, je me souviens plus, j'avais de la merde. Bon, je te dis, ça se passe bien, t'as vu hein. Pas très compliqué. Il y a une voiture, par contre il y a un point rouge là, je vois sur la map à l'arrière. C'est une voiture qui a tendance à voler. Ils aiment, toi c'est une prépa Bénise là, tiens. Ah, ils aiment le jaune, tout est jaune, les jambes sont jaunes, la carrosserie est jaune, les nerfs sont jaunes. Il nous tire dessus, Ah oui, bah là même ils ont... Oh là, encore du jaune. On peut pas avoir mal au foie, hein. Désolé. On a rien vu. Par contre, ça patine énormément ces bagnoles. J'en ai une comme ça, violette d'ailleurs, au passage. Ah oui, termine-le. Bah, je sais pas si c'est des ballasses, mais des violettes, effectivement. Ouais, les violettes, c'est des ballasses. Ouais. Je l'ai gagné, tu sais, à la roue.
Ah, ça aurait pu être sympa si t'étais arrivé, si t'étais allé jusqu'au. Je voulais me garer en marche arrière et j'ai raté. Ah, j'ai pas le droit parce que je. Ouais, c'est bon, nickel. Il y a un petit bubblehead avec un chapeau, avec un sombrero dans le tableau de bord. Et ben voilà, bon, c'était. C'est extrêmement rapide cette mission. Je suis fortement déçu. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je suis déçu. Ouais, ça va vite. Hein. Je propose que, parce que ça a été vite, on en fasse une autre. Allez. Allez. Attends, faut encore faire une ellipse le temps qu'elle nous rappelle. Et, ouais. C'est chiant. Bon, allez, bref, ellipse, et puis on va se reprendre dès qu'il y a du nouveau. Et on se reprend, du coup, dans le bureau de Rick qui pointe du doigt, je sais pas quoi d'ailleurs, passage. Allez, disque d'or. T'es content avec ça, toi? C'est pas toi qui les a fait, hein? Non. C'est cadeau. C'est vrai, c'est un beau cadeau. D'ailleurs, tu viens de me filer. À chaque fois qu'on récupère un titre, on a un disque d'or en plus dans le bureau. 5 750 euros, tu m'as filé. Enfin, tu m'as filé. Bon, bref. On s'est compris. Eh ben, écoute, tu peux lancer la mission suivante si tu es prêt. Ouais. Ton bureau, il va être rempli de conneries, tu vois, dans quelques temps. Allez, contrat VIP. Ça fuite dans la haute. On va au Country Club de Pacific Bluff. Eh ben, c'est parti. La dernière trace qu'on a de cette copie de téléphone de Dre se trouve dans un country club du Pacific. Puis c'est encore chaud, donc si tu fais vite, on trouvera peut-être l'enfoiré plein aux as qui la possède. Donc là, on te donnera un coup de fil en chemin. Comment c'est ? Vas-y. Bon, alors on va y aller en hélico, là. Bah tu vas en ce que tu veux. Ah non, par contre, pourquoi moi, je vois pas le truc, là ? Pourquoi j'ai rien eu à accepter ? Ah ouais, moi non plus. Ah, bon, bah c'est encore un truc foireux, ça. Avec GTA, on sait jamais. Des fois, ça marche pas, ça traîne, ça... Il y a un peu de tout, là. T'es parti sur le toit, là ? Non, c'est pas ça ? Je cherche un ascenseur. Hop. Sortir en véhicule. Le super Volito de l'agence. Et... Farah, je sais pas, il doit être trop loin. Ah, bah pas de Farah. Ah oui, et pas avec nous, merde. Au revoir, Farah. Bah, je sais pas, voilà. J'entends l'hélico tourner, mais je le vois pas. Alors, non, mais on est au-dessus, on est tout en haut. On suppose que t'es en bas, non ? Ah, t'es là. Doucement. On passe pas par l'arrière. Vas-y. Ouf, ce décollage, j'ai vu qu'on allait se coucher là sur le côté. Là. Bon, sortez les armes. C'est jamais. Magnifique, notre chaîne vide. Je sais pas si vous voyez ça, mais. Tiens, la nouvelle station de radio, le nouveau logo. De quoi, le truc rouge ? Même les 2-3 logos là. Ah, hop là, c'est le nouveau logo de la station d'une. La station de radio. Voilà. On vient qu'appelle. Allez, c'est parti. Commence par le Country Club de Pacific Bluff. On reste en contact, ok. Rosalia. Allez, c'est parti. La Rosalia. Ah putain, c'est. Tu sais, il en a parlé, Franklin. De Rosalia là, qui voulait avoir son numéro, je sais pas quoi. Elle est dans le coin, mais c'est à côté du tequila là, ça. Ouais, il y a peut-être un truc à jouer là. Peut-être un truc à faire ici, tu vois. Ouais, peut-être. Ouais. Hein. Ou c'est l'animatrice du nouveau, de la nouvelle radio. C'est parti, Country Club. Il est bien ton hélico quand même, ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite qu'aller en bagnole, quoi, sans déconner. Ah bah oui, forcément. Vache. Bah forcément, c'est vrai que là, il fonce quand même l'hélico. En plus, j'ai l'impression que t'as pris un qui fonce bien, justement. Ah c'est vrai, il est livré avec l'agence. Moi j'aimerais bien que t'aies un jet, tu sais, avec. C'est un jet, Ah mais faut de la piste. Non, c'est... Tu sais, tu le propulses, puis quand tu reviens, t'arrives dans la mousse. Ah oui, bah c'est... Je l'ai, ça, c'est... Avec une grosse élastique. Ouais, avec les trucs sur les porte-avions, là, tu sais, où ils te projettent, là. Ils relèvent le sol, là, puis boum, là, tu pars comme une fusée. T'es l'Avenger. Ah, bah, peut-être, j'en sais rien. Mais... Attention à l'arbre. Oula, fou, là, il a épilé l'arbre. Non, j'ai élagué. Mais t'as élagué, excuse-moi. Il a presque émasculé l'arbre. Il a élagué. Attention à garder son scalp hein, quand on sort de l'hélico, toujours. Et c'est là, c'est où je suis en fait. Pirater le lecteur de cartes. Okay. Alors,
Arme à la main, non? Un peu du tout. Non, oh, attends, il y a des caméras de surveillance, j'ai l'impression. Il y a une caméra là, il y a une caméra. Alors, on peut s'allumer entre chacune, hein. Ça, ça sera bien. Ouais, ou on peut passer, on peut contourner aussi en passant par le toit. Tu peux passer par là, hein. Tu fais ça, boum là, tac. Et tu passes le long là, et puis ni vu ni connu. On est d'accord ou pas? Non, comme ça, regarde. Hop là. Ni vu ni connu. Aussi, c'est vrai. Eh, vas-y, fais le piratage pour une fois. Ah bah non, mais ça, pour moi, c'est pas compliqué, hein. Je l'ai déjà fait, hein. Allez. C'est ici, si, hein. Attends, c'est, non, c'est, oui, oui. Non, c'est devant, c'est non, devant c'est toi. À côté, mais. C'est devant toi, ouais, d'accord, ok. Je sais que c'était le petit truc qui était là. Allez, vas-y. C'est parti. Alors finalement tu sais quoi? Je sais pas faire en fait finalement. Je suppose qu'il faut trouver les 4 nombres alignés en fait dans la liste. Là, je l'avais une seconde. Je l'ai eu. Et ben voilà. Ouais non finalement c'était pas très dur. Éliminer les gardes. Alors, fusil à la main. Fusil à lunettes, messieurs. Les lunettes. Il reste un. C'est bon, il est mort. Ok, il y a 3 ordinateurs. Regardez ça. Chacun de l'autre. Bah ouais, je pense qu'on va faire ça. C'est parti. Moi j'aime bien. Heureusement qu'on n'est pas 4. Voilà, poste de travail, c'est parti. Cliquez sur périphérique externe. Ouais. Brute force. Ok, et après on fait quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que tu... Bah je sais pas. C'est... T'as quoi? Alors, c'est, le problème c'est que moi j'ai mon truc de record par-dessus, c'est que chaque colonne au bon moment pour afficher le mot de passe. Pour changer de colonne et entrer pour rentrer la lettre colorée. Ah bah c'était mort, bien sûr. D'accord, tu bouges ta souris. J'ai compris. Pour moi c'est bon. Pareil. Ok, I got it. We're only a few hours behind. The data left in a limousine. I just ran the limo's registration through every database I can get to. It's registered to some shell company. No address, no employee list. Damn. Sounds like a dead end to me. Yeah, except it got flagged speeding on the traffic camera network. Here's the last known location. All right, I got it. Shit, let's go. Ah, on prend pas la voiture de patrouille. Sortez de la salle de surveillance. Très simple, je vais dans le coin. Et ben voilà, c'était pas très dur. Non, y a rien de dur. Mais maintenant, faut trouver la limousine dans la zone. Bah ça, ça peut être très dur non plus. Une limousine, ça se cache pas. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, hop. Ah, tu vas directement en hélico, toi? Bah ouais, c'est pas à côté. On a un hélico, t'en s'en servir. La Ferrari est partie derrière. Il fait la gueule, comme d'hab. Là, t'as fait épier le béton, là. Enfin, le goudron. Il est où, Fran? Bah, il est devant, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du stop. Ah, il va à pied. Bah, c'est ça. C'est que c'est pas à côté, hein. Non, il est en train d'arrêter des voitures, alors, là. Ok. Est-ce que je peux lui tirer dessus ou pas, Rick? Ah bah, tu fais ce que tu veux. C'est vrai, c'est parti. Par ici. En plus, on peut même pas tirer. On me propose pas de tirer. Parce que Rick, il reste sur la voie de droite, mais dans les airs. On sait jamais. C'est une flic passe. Ça, tu fais ça dans la vraie vie. Je t'ai garanti que t'as les pales qui se prennent dans les fils, là. Ça, oui, bah oui, c'est l'avantage du jeu, c'est que... Ça, là, il y a des joueurs en face. Un joueur en face. On passe au-dessus de lui. Alors, là il y a une zone, là, effectivement, en face. Alors, on regarde bien, on ouvre grand les yeux, et on cherche la limousine. Patriot Stretch Noir. Elle est peut-être garée, c'est en souterrain, peut-être aussi. Tu la vois, là? Moi, je la vois pas. Elle est là. Non, elle est pas là, excuse-moi, j'ai une connerie. J'avais vu un véhicule noir, mais en fait, bah oui, c'est ce que je me dis. Oula, t'as commencé, tu vas niquer les pales là. Mais par contre, vu qu'elle est dans la zone, c'est à peu près au milieu, hein. Je crois pas que c'est en bord. Hein. Allez, là, tu sors là, c'est pas bon, c'est passé du tout là.
Par contre, je vois qu'il y a des bâtiments de l'autre côté là. Et je me dis, tu vois, la vite fait, c'est sous les toits là. C'est possible. Y'a rien, y'a rien du tout. Y'a rien. Putain, sans déconner, elle est où quoi? Y'a pas dans l'eau, y'a pas dans l'eau, c'est débile. Ouf. Ah, peut-être qu'on pourrait se poser et aller voir à pied. Hein, ce que je... j'allais te proposer. Parce que là, sinon, on va pas s'en sortir. Je saute, je saute, je saute, je saute avant que ce soit le carnage. Je me casse, je me casse. Alors, est-ce qu'on a des souterrains? Bah là, la limousine, non, c'est bien celle que j'avais vue, Rick. Elle est juste à côté en fait. Ah oui, elle est là. Je croyais avoir vu un 4x4, mais en fait, non, c'est un 4x4 limousine, c'est un Uber. Et voilà, mon Uber. T'es loin, Farah? Quoi, ils te voient et qu'ils prennent peur. Descends-le, ils ont dit descends-le. Ah mais ils nous attendent pas. Putain. T'as une voiture de merde là, laissez-moi une voiture de merde, c'est la toi là. T'as mais sans déconner, oh. Putain, je vais prendre la monsieur le car. Je vais prendre le monsieur le car, c'est parti. J'ai le monsieur le car. Bah on fait quoi? On leur rentre dedans? On fait quoi alors? Vas-y bah monte avec nous là, Gadet. Vas-y, moi je suis à côté de vous, je suis là, je suis à côté de vous, allons-y. J'adore cette bagnole. Suivez la limousine, faut pas se faire détecter. Top, hop. Faites attention à la jauge en bas. Bah hé, moi je suis bien, hein. C'est toi Farah qui a avancé là. Ah, c'est bon. Putain, c'est pas discret du tout, ça. Le mec qui arrive, tu sais, puis il fait marche arrière. On voit bien les pots d'échappement depuis que t'as pu les. Ah. Depuis que t'as pu le parchemin. Il s'arrête tous les feux, effectivement. J'adore cette bagnole. Mmh. Les viewers, dites-vous que c'est une de mes bagnoles préférées du jeu. Voiture discrète, il se cache derrière les autres voitures. Moi, je me cache derrière toi. T'as plus ça fait des donuts, ça fait des donuts, ça fait des burns là tranquille. Ah. Mais par contre il déconne, il passe à la tête des feux quand même. Oh non, fais gaffe à toi, arrête tes conneries, il va se détecter là. Oh là il vous a repéré hein. Franchement. Y'a deux mecs qui ouais, se bourrent derrière. Le jeu est tolérant quand même. Je commence à tirer dans les pneus, par contre là on va vraiment se faire cramer. Petite bombe collante. J'adore cette manière, le bruit qui est fait, la maniabilité, enfin le... J'adore. Je vais quand même vérifier. Descends-le, chope ses papiers, rapporte-les. S'ils te voient et qu'ils prennent peur, tu devras faire ce qu'il faut pour obtenir des infos sur le chauffeur. Bah on tire dessus en fait, on tire dessus. Chope ses fait. Papiers, rapporte-les, ouais, bah faut le buter. Ouais, donc en fait, ouais, on fonce. Je mets devant, je saute devant. Mais t'as pas réussi à le tuer? Si. Ah, je me dis, vas-y. Récupérer le portefeuille du chauffeur. Alors, Farah, où allons-nous, cher? Ça va aller, merci, sans façon. Donc, je récupère le portefeuille. Merci, monsieur. C'est maniable, ces petits messieurs-là. Bon, on va où, comme ça? Attention, joueur. Ouais. Et là, il tourne vers nous, en plus. Effectivement, il est juste là. Voilà. Ah, mais c'est pas d'important qu'il... Allez, go! Alors par contre le chemin, attends, le chemin, ça va être par là ou pas? Ouais, vas-y, continue. Il a fait demi-tour le gars, il nous suit. Hein. Ouais, bah il nous suit, c'est pas grave. C'est fait que de suivre. C'est d'arriver à l'agence avant qu'il nous tire dessus. Ouais, en tout cas qu'il nous explose. Le problème c'est que moi je suis debout sur l'accélérateur, tu vois, si je fais de mieux. Ah bah, allez. Il vient de me rentrer dedans, hein. Il vous colle au cul. On va voir si t'es champion.
Avec une Nimo en plus, une Nimo 4x4 quoi. Ah bah ça va. Tiens, il est là, il est là. Hop là, tiens, voilà, il est là. Voilà. Allez, je suis le patron. Et je vais gagner. Bah j'avais anticipé, je l'ai vu venir dans mon rétrad là. Mais il va revenir hein, parce que t'inquiète pas que vu comment on se traîne. Il va venir et comme il va pas être content, il va nous tirer dessus. Mais je vais lui tirer dessus avant, je crois. Ok, à droite. Dès que je le rattrape, je le tue. Oh, ça braque zéro ce truc là. Non, il l'a lâché, ouais. Aïe 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 aïe. C'est n'importe quoi comme manip. Voilà. Monsieur est arrivé. Monsieur, bah, je suis pas du bon côté. Ah bah, j'ai failli me faire. Et voilà. Et voilà. Bon, bah, encore une mission. Une mission de canard. C'est exactement ce à quoi je pensais, je sais pas pour. C'est quoi déjà la phrase y. Et nous, on le suivait, tranquille. Ah oui, c'est encore une victoire de canard, on dit normalement. Encore une victoire de canard. Bon, bah, écoutez, c'est bien de pas le faire tout de suite, tu vois, comme ça au moins. Si là, vu qu'on a tout, maintenant, on va peut-être arrêter ici. Hein. Et puis comme ça, on aura la surprise pour la prochaine vidéo. Et ça. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Et bye bye.